Alors pour répondre à la question, quels sont les indispensables BD et romans graphiques du moment, pour moi c'est le deuxième de L'Homme étoilé, la deuxième BD après À la vie. Nous avons Je serai là et qui sont encore des petites scénettes de la vie hospitalière qui sont tellement émouvantes et pleines de tendresse. Pour changer de style, on a le nouveau Lupano et Stéphane Fer, Blond autour, qui parle d'une histoire vraie qui s'est déroulée à Boston en 1832 et qui nous parle d'une école où il était accueilli des jeunes filles noires. Et c'est une super histoire, très bien abordée et surtout qui nous fait découvrir une histoire que moi je ne connaissais pas. Et le dernier, L'accident de chasse, qui fait aussi partie de la sélection d'Angoulême, qui parle de transmission de père en fils, qui parle de philosophie, qui parle aussi de prison, qui parle de plein de choses et qui est vraiment chouette à lire et pour les jeunes adultes et les adultes.